Salam alaikum, ya salam. Chicha à l'appareil. Je reviens faire une autre vidéo. Khfif Dreif. Je fais comme Zinda. Salam alaikum, khoya Zinda. La star. Khfif Dreif. C'est bien, tu le dis bien. Donc, voulais te dire vidéo hakda pour me relaxer un petit peu. J'ai fait ce que je devais faire. Les devoirs. On a fait les devoirs, Terry. On va être à la YouTube avec ça. Je vous ai posté une vidéo juste là, il y a un instant, sur l'assassinat de Halim Sili. Ceux qui ne connaissent pas l'affaire, je pense qu'ils vont la connaître. Et puis diffuser largement encore une fois, surtout les Français, hein, parce que c'est un acte, un meurtre qui a eu lieu en France et il est protégé par les autorités françaises. Et là, je m'adresse aux Français qui m'écoutent. Je sais que je vais avoir droit à des commentaires style... j'en ai eu de toutes les couleurs de toute façon, mais bon. Je m'adresse aux Français, Hakta. Si vous croyez que vos autorités défendent la démocratie, sont contre le meurtre, etc., ben vous vous trompez. Voici la preuve. C'est l'affaire Halim Sili. Il y a beaucoup d'autres affaires, Ben Barka, et j'en passe des meilleurs. La plupart des opposants, ils ont été assassinés. La plupart des opposants des pays du Sud, ils ont été assassinés en France. Pas que en France, même ailleurs. Mais en France particulièrement, il y en a beaucoup. Je vous laisse deviner pourquoi c'est en France qu'ils les assassinent. C'est plus facile de les assassiner en France et l'État français les couvre. Il couvre ce genre d'assassinat. Ce qui est gravissime. Donc il a été assassiné le 7 avril 1987 par les services de renseignement algériens. Ils ont les preuves et tout et tout. Et là, le ministre français des affaires de l'intérieur... Ils ont attrapé l'assassin et ils l'ont expulsé vers l'Algérie pour lui dire merci d'avoir exécuté ta mission. En plus, c'est un proxénète avec un voyou. Bon. En fait, je revenais, c'était parce que, je ne sais pas, j'étais en train de penser à un truc. Je me suis dit, depuis le temps que je faisais des vidéos et tout ça, il y a les anciens, on les voit plus et tout ça, les gens, pardon, ils ont changé de sphère et tout. Beaucoup, ils sont encore sur Internet, hein, parce que Internet, il est rentré dans les habitudes des gens. Maintenant, on a Internet partout, dans le khadma, dans le dar, dans les transports, dans les portables, dans les ordinateurs, partout, on a Internet. Et puis, le réflexe maintenant, c'est d'aller sur Internet pour voir ce qui se passe, etc. Donc, les gens, ils sont encore là et tout, mais bon, ils ont changé de truc. Ça les intéresse plus de communiquer sur YouTube. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont nouveaux, beaucoup de nouveaux que je salue, qui anime des débats, qui s'exprime et tout. Et moi, je pensais à ça, en fait, je me suis dit, oh là là, la première fois, mais c'est la première fois, hein. Les premières fois qui comptent dire les vidéos blog, parce qu'avant déjà, je faisais des vidéos et tout ça, je postais des vidéos sur mon blog et tout, avant YouTube. On parle sur YouTube, quand je commençais à regarder début 2007 et tout, j'ai commencé bien sûr sur Mlanok, comme tout le monde, Mlanok que je salue Fanny au passage, parce que ouais, c'est quelqu'un qui est droit, en fait, à la belle ou qu'est-ce qu'il veut et tout. Il change pas. C'est pas des questions d'humeur, avec d'abord une petite expérience et puis c'est tout. Non, bon. Donc je commençais à regarder les vidéos et tout. Bad, il y avait des gens où l'une des premières choses qui m'avait marqué sur les vidéos, c'était le fait que il y a des gens qui étaient très loin, en fait, avant. Ils étaient très loin, l'Australie, etc. Des pays comme ça lointains où ils se sentent un peu isolés et tout. C'est très difficile de rencontrer des Algériens.
et tout et tout. Bah, ils ont trouvé YouTube et d'abord ils s'expriment eux-mêmes, ils drôlent, ils racontent un peu leurs trucs qu'ils peuvent pas raconter dans leur environnement anglais ou la français ou l'américain et tout. Tu sais, un américain ou l'interactif, la Suède ou l'Amérique ou l'Afrique ou l'Australie et tout. تكسر مع ناس تحكي لهم على الالجيري ما على بالهمش كاع بالالجيري هذه الوغ لا تحكي لهم على المشاكل تاع الالجيري ولا لي سوفنير تاعك اي تو سا لي كونسيرن با ان فيت تو سامبلومون هما عندهم بلادهم عندهم ليستوار تاعهم عندهم لور فيكو وانت تو اي فينو افيك طون فيكو طون ايستوار تي سوفنير اي تو سا دونك وجات هذه يوتيوب ولا ديلي موشن ولا لي فيديو ولا انترنت اون جينيرال سا بيرمي ان فيت دو de c'est-à-dire de se connecter avec les siens. Ça c'était vraiment quelque chose que j'avais remarqué. Je me souviens d'un gars en fait qui avait raconté un peu. Il était en Australie. Il avait raconté un peu tout son périple qui va d'Air Bachirouh l'Australie, combien de temps ça a pris, ça faisait 20 ans qu'il était en Australie et tout, il n'est plus rentré au bled et tout. Ça m'a touché, là, c'était l'une des premières choses qui m'avait touché sur les vidéoblogs de YouTube. Ou Mansachtani Wahd, une fois, j'espère qu'il va bien, il avait fait une vidéo une fois, il avait dit merci les DZ youtubeurs, parce que Houa Kenf Sbetar, il était à l'hôpital. ومن بعد الباستون تاعو فافوري يشوف لي فيديو بلوك تاع الجزائريين tu vois ça lui permettait de passer le temps ça lui permettait de se sentir entouré et tout ça et هو كان في l'hôpital il s'ennuyait à fond وكان مريض et tout j'espère بلي شفا depuis il va bien en fait inchallah et donc ça m'a touché aussi c'est, je me suis dit il y a le côté positif de tout ça, tu vois, ça dire, il n'y a pas que le côté négatif, ou là, juste les débiles mentaux, hein, qui essayent de prouver, je sais pas quoi. Enfin, c'est, il n'y a pas de problème, hein. Sauf que ça m'intéresse pas, hein, il y a les débilités, les gens qui ont des problèmes d'ego, les habini prouvés, ou les gens qui veulent prouver, bli, humarjel, entre guillemets. Ah, rababak, ou là, les gens qui viennent ici, qui sont des menteurs, qui inventent les mythomanes et tout, et tout ça m'intéresse pas en fait, les gens qui veulent prouver et tout, qui soignent leur image grave et tout, nanana. Et donc ils m'intéressent pas personnellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité, la sincérité des gens. Les gens sincères, et puis tu le vois tout de suite, hein, il va soigner, gars, l'écran, il soigne le t-shirt Taou, on va voir, dans la marque, t'as le pull Taou et tout, je suis un gel. Il va dire, on naïche bien, ou naïche bien, il veut montrer bli naïche bien et tout. En fait, il m'intéresse vraiment pas. D'ailleurs, je regarde pas beaucoup ce type de vidéos. Par contre, je regarde les gens qui sont sincères. Hakda, ils parlent sincèrement, ils racontent leur truc sincèrement. Et ça m'intéresse, ça me plaît. Et puis, je vous dis, il y a des côtés positifs, hein, t'as ça. Et donc je pensais à tous les premiers youtubeurs Hadouk et tout, ben je les salue tous s'ils passent par là, j'espère que tout le monde va bien, que Sha la baisse, la famille la baisse, le moral la baisse, et puis c'est tout. Voilà, salam alaikum, à la prochaine vidéo.